C'est parti, Mandela. Allez, il trouve un extérieur, pas de position de hors-jeu avec une possibilité fructueuse pour le hack. Pas de position de hors-jeu sur l'appel de Daouda Camara. Le ballon idéalement placé. Sangaré, c'est bien fait. Et le 1-2, il y a la possibilité d'écarter. Pourquoi pas frapper? C'est bien dans le national. 17 titres de champion de Guinée, 7 coupes de Guinée, 2 super coupes de Guinée. Voilà, tel est le palmarès de cette équipe de Oroya. Et dans cet esprit, Victor Svinkal a écarté le coup franc qui a été travaillé, enroulé. On s'est surtout appliqué à cadrer, mais il manquait très clairement de la. Oh, le changement d'aile avec Baudet qui s'est un petit peu raté. Oh, il y a une nouvelle situation. C'était un petit peu la copie. Pour l'ouverture du score, mais cette fois-ci un petit peu plus de réussite. Allez, une belle possibilité sur le côté droit avec ce centre. Oh, il y a peut-être une petite poussette, en tout cas, c'est ce que l'on réclamait dans les travées du stade municipal, avec dans le même esprit que cette rencontre du jour. Attention avec ce coup franc. L'égalisation, on avait vu l'équipe du Togo Port rentrer avec beaucoup plus de détermination dans cette deuxième période. Et c'est le capitaine qui montre la voie, qui montre Togo Port, qui harangue la foule. Écoutez cette ambiance, cette ferveur indescriptible avec le deuxième but qui s'est refusé à quelques centimètres aux joueurs spectatrices. Cette équipe du Togo Port de Lomé et qui revient avec des intentions tout à fait louable et qui lui ont permis d'égaliser et même avoir grand Algérie, Nigeria par exemple pour la qualification pour la Coupe du Monde. Attention à ce ballon. Eh bien voilà, on parlait de la justesse dans les enchaînements, la justesse du contrôle de la conduite de balle. Celui-ci est passé à un partenaire, il en a perdu ses appuis. Voilà, c'est la plus nette opportunité de la deuxième période pour les hommes de Victor Svinkal.